Un animal peut être petit mais prendre une très grande place dans le cœur de ses maîtres. C'était le cas d'Elo, le chien que la famille de Chavannes avait accueilli chez elle et qui était devenu très rapidement ami avec le célèbre Jacques Russel. Adek, l'animateur, qui a raté son passage sur C8, était toujours accompagné par ses compagnons à quatre pattes sur toutes ses émissions. Les téléspectateurs les voyaient souvent gambader sur les plateaux télé comme s'ils étaient à la maison. Après son décès en juin 2020, l'ex-présentateur phare de TF1 avait pu compter sur la présence d'Elo pour se consoler, comblant le vide laissé par son copain Adek. Mais le 26 août 2021, l'animateur a annoncé que la famille était à nouveau en deuil puisque leur chien venait de mourir tragiquement dans un accident. Si cet événement a été très douloureux pour lui, il en est de même pour sa famille dont sa fille Ninon. Quelques jours après son père, elle s'est aussi exprimée sur cette perte. Et la jeune femme est inconsolable. Ninon de Chavannes a posté une série de photos du petit chien accompagné d'un très beau message. « Tu nous manques déjà. Tellement naine et pourtant tu laisses derrière toi un si grand vide. » écrit-elle en légende de son poste. « Quand un accident arrive et qu'on perd un être cher sans y être préparé, c'est hard, très hard même. Je t'aimerai toute ma vie et ça, aucun accident ne pourra l'empêcher », continue-t-elle un peu plus loin dans son hommage. La jeune femme de 23 ans lui souhaite même d'avoir retrouvé son meilleur pote, Adek, et que tous les deux veillent sur eux. Son hommage a été suivi d'une vague de soutien. Plusieurs de ses abonnés sur Instagram ont tenu à lui adresser des messages. « Bon courage à vous et à votre papa », peut-on ainsi lire en commentaire ou encore « Toutes mes condoléances ». Si ces messages ne pourront pas remplacer cette perte, nul doute qu'ils apporteront un peu de réconfort.